ce problème. Hein? Monica Z, tu es insulté, on va écouter. Regarde ce qu'elle dit. Si on t'a dit que maigri est joli, on t'a menti actuellement. Là, tu n'es... Mais Monica, maigri n'est pas joli. Pourquoi tu allais couper ton van? Maigri là, tu étais gros, tu étais poltron comme ça. Monica Z, tu étais grosse. Je dis, montre tes photos de 2014. C'est moi qui te dis ça. Et je dis 2014. Et va appeler là. 2017, 2016. Montre tes photos de 2017, Monica Z. Oui, oui. Avant d'insulter en face de quelqu'un comme ça. Avant de venir dénigrer. Comparer ma vie comme un animal. Tu peux lui donner respect. Moi, je n'ai pas dit pour pas lui parler, mais dans le respect. Dans le respect, sans traiter en face de quelqu'un comme animal. Dans le respect, tu lui parles. Moi-même là, elle allait couper son vouban, voilà, moi-même ça ne me plaît pas, mais c'est ma personne. Emma Louis, c'est mon sang, quand j'ai fait le dîner, c'est Emma Louis. Mais sa forme là ne me plaît pas. Mais je ne parle pas de ça. Les gens ont parlé de ça, sans injure. En tant que maman, tu insultes la faute de quelqu'un comme ça, d'animal. Tu l'étais de... Je te dis, tu dis, elle ressemble à biche. Tu dis, elle ressemble à quoi là-même? Singe. C'est que tous les injures, c'est ton corps. Toi, tu allais couper ton ventre. Maintenant, tu es marié également. Emma Louis n'est pas marié. Oui, oui. Elle peut aller opérer son vumba. On s'en fout de ça. Elle est encore très jeune. Mais toi, là, tu es vieux comme moi. Tu allais couper ton ventre pour aller jeter ça à tout qui. Ok, tu es une femme mariée. Tu cherchais quoi? Tu cherchais quoi? Monica, tu cherchais quoi? C'est toi, tu sais écrire. Moi, je ne sais pas. Tu es enfant de. Quoi, ben, professeur? Moi, je suis enfant de bananier. Mais je vais te dire ce que je pense. Parce que toi, tu dis la vérité. On peut te répondre aussi en vérité. Oui, oui. Toi, tu dis la vérité. Moi, je peux te répondre aussi en vérité. Tu peux lui donner des conseils. Même dans tes commentaires, les gens disent. Mais tu peux l'appeler. Tu dis, tu vas appeler une petite fille. Pourquoi? Mais elle est petite fille. Pourquoi tu mets ta bouche dans l'histoire des petites filles? Tu dois parler. Elle est grande. Toi, tu es sur l'enfant, c'est toi, tu mets ta bouche d'enfant. C'est que tu insultes les enfants des gens sur la toile. Tu cherches quoi? Tu as déjà connu ma soeur. Et comme Monica Z. Tu as déjà un nom. C'est quel nom tu cherches pour frapponner les gens? Pour insulter l'enfant des gens? Pour traiter l'enfant des gens comme les animaux? Et ma lui, ça fait quelque chose, tu ne lui plais pas. Même les gens parlent de sa maison ici. Quand il y a raison, il y a raison. Moi, je ne parle pas fort. Ça m'empêche pas de ne pas aimer ma lui. Mais traiter en face de quelqu'un comme un animal, on va t'écouter ici. C'est quoi tu m'as fait sortir, famille? T'as peut-être le direct. Pour ne pas qu'on coupe mon direct et puis je vais continuer avec elle. Pas belle. Non, 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 non. Actuellement, là, tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle partout. Tu as fait. Famille, t'as porté. Le maquillage n'est pas d'arachide. Tu as déposé sur ton visage. Les fossiles, on dirait les herbes de la brousse ici. Tout, tout, tout. Mais tout ça encore, ça te vieillit plus encore. Monica, je suis plus âgée que toi. Monica Z, je suis plus âgé que toi, mais je suis plus belle que toi. Moi, je passe sans filtre. Je suis plus belle que toi. Tu n'es qu'un enfant. Moi, je n'ai que 4 enfants dans mon ventre. Oui, oui, oui. C'est quoi, tu es vieille? Enfin, tu es vieille, là. Tu es vieille avant ton âge. Oui, oui. Je suis plus belle que toi. Tu es seul enfant. Oui, oui. Moi, je n'ai que 4. Je suis encore, je ne suis même pas arrivé dans mes 44 ans. Mais je suis plus belle que toi. Quand tu dis vilain, là, c'est ça. Cette main, tu laisses son corps devient boudou, on dirait le coup de placard, ils ont mis dans l'eau, et puis ça devient boudou, là. C'est ça, on dit que la personne, tu es vilaine. Quand tu ne contrôles pas, quand tu manges, quand tu prends pas le régime. Oui, oui, c'est ça, on dit que tu es vilaine. Oui, oui, tu penses que c'est ma soeur, tu es vilaine. Toi, là, tu es vilaine, tu es une petite fille, tu es vilaine. Monica Zex. Tu es marié également, marié de combien d'années? Mais ça ne t'a pas dérangé d'aller couper ton ventre à Tuki pour aller laisser le reste de ton ventre à Tuki. Et puis tu es venu ici au Canada. Et puis tu es venu au Canada. Toi, tu vas insulter Emma, ça lui donne le conseil. On peut insulter quelqu'un, ça lui donne le conseil, un enfant. Emma, c'est une petite fille, elle est zaïe. Moi-même, sa femme ne me plaît pas. Si je vais lui donner le conseil, elle dit, Emma, je ne te connais pas comme ça. Tu es ma personne, tu es une petite soeur. Arrange-toi. La forme, là, ça me dérange. On t'aime à cause de ta beauté qu'on a vue. Ma petite soeur, tu as été te tuer. C'est le conseil d'une maman. C'est pas parce que quelqu'un qui va comparer une fille à la fille de ta camarade. Un singe. Tu vois? Tu vas la comparer à un singe. La fille de ta camarade.
me dit mon enfant est sage, ça peut me plaire? Quand tu dis toi, elle est devenue sage, elle est devenue comme biche, elle est devenue quel animal? Elle a mis pas d'arracher de 10 kilos dessus son visage. La femme, la fille de ta camarade que tu es. Quand je vais faire une vidéo, tu as dit que je t'ai rien fait sur la. Mais toi, est-ce qu'Emma t'a dit quelque chose un jour? Emma t'a une fois insulté. Mais Emma aussi t'a rien fait. Mais tu lui as parlé parce qu'elle connaît les stars. Moi, quand tu es une star aussi, je vais te parler en tant qu'une mère. Oui. On va t'écouter. Famille, t'apportez le direct, s'il vous plaît. T'apportez le direct. Tu allais un peu arranger le ventre. Avant, il était mieux. T'apportez le direct, famille, s'il vous plaît. Tu n'as pas dit qu'on est jalouse. Jalouse de quoi? Tu es jalouse d'elle. En tout cas, ceux qui te disent que tu es belle en ce moment-là, elles te blaguent. Oui. Actuellement, tu n'es pas belle. C'est toi, tu es la plus belle. Attends, faut manger un peu encore. Elle ne mange pas, viens lui donner à manger. Un moment-là. Elle mange pas. Tu étais un peu malade, on dirait un Jean. Ou bien, tu as fait une chirurgie. Vous voyez, non? Emma, tu étais malade, on dirait un Jean. Si tu avais appris qu'une fille, une petite fille est malade, et toi, tu sais, on dit que tu étais malade, tu te donnes un Jean, et tu étais un Jean. C'est que tu paralyses maladie de quelqu'un si elle était malade. Tu s'en fous. Mais son corps là, c'est ton corps. Tu es allé couper ton ventre à Turquie. Tu as 45 ans, mais tu es allé couper ton ventre à Turquie là-bas. Tu voulais devenir jeune, tu cherchais quoi? Tu es déjà marié, tu es déjà dans le foyer, tu as déjà fait ton enfant. Mais ça ne t'a pas suffi. C'est parce que tu étais complexé que tu allais laisser ton ventre à Turquie. Et puis toi, tu t'es retrouvé au Canada. Il n'y avait pas complexe de ça. Une maman qui a appris qu'elle est malade, tu te donnes un jeune Jean. Les herbes de la brousse. Tu vois? Les herbes de la brousse, là, te prennent sur ton visage, tout et tout. Peut-être. Tu vois comment elle parle enfant déjà? Les herbes de la brousse. Même qu'elle est malade, enterrer elle, son corps. C'est comme ça, toi aussi, tu allais enterrer ton femme à Turquie. Oui. Faut qu'on se dise la vérité ici. Comme tu es bêté comme moi, je suis bêté dans le même village, on va s'affronter. On se connaît. Oui. Tu es bêté de Daloa. Hein? De Guétégué là. C'est comme ça, je suis de Guétégué. On va parler nous deux. Oui. Ni à Mané, ni à. Avant de quelqu'un, les herbes. Elle te doit, elle m'a loué de toi. Elle te doit. Il y a des paroles, il y a des choses même sur la toile. Il y a des sujets, mais les mamans peuvent mettre les bouts sur la toile. On te voit pas là-bas. Hein. Il y a des problèmes qui se passent sur la toile. Dès que les mamans peuvent venir pour parler de ça, on te voit pas. Mais tous les jours, quand tu places ta caméra, tu es là pour cracher les petits filles de 23 ans. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. En Zouka. Comme tu parles, quand tu fais tes dires, tu parles bêté. Je te parle bêté. En Zouka. Les enfants vont mettre leur bouche sur toi. C'est ça, on dit, je suis connu. Vous êtes star dans. Vous tous, vous les mamans là. Vous êtes venus dans l'histoire des stars là. Vous avez juré tous les blogueuses, les petites filles comme les Leslie Laïa, les Evie de Milan. Tout le monde, vous avez insulté tout le monde pour se faire connaître. Oui. Moi, je ne suis pas comme vous. C'est pour ça que je suis en bas. Je suis la dernière. Oui. Je ne peux pas blesser l'homme pour les vues. Je ne peux pas dénigrer quelqu'un que je ne connais pas sa vie pour les vues. Si Emma Lieu s'allait enlever toute sa chair pour devenir esquelette, quel est ton problème? Quel est ton problème? Elle te doit. Apparemment, elle ne te doit pas. Famille, t'as porté le matin de signaler mon direct. T'as porté le direct, s'il vous plaît. T'as porté le direct, c'est le direct à te signaler. T'as porté le direct, famille. Pardonnez, t'as porté le direct. Elle m'a loué tes doigts, elle m'a loué tes doigts pas. Est-ce que tu comprends? Dis-nous pourquoi tu as coupé ton phone à Turquie là-bas. Montre tes photos. Toi, tu penses que tes bras là, ça nous suffit? Ça nous plaît comme ça? Regarde tes bras, je n'ai même pas mis où c'est gros là-même. Hein. C'est toi même tes vidéos, j'ai pris. Hein. C'est sur ta vidéo, j'ai pris. Je n'ai rien fabriqué sous ça. Tu penses que quand tu prends et puis tu montes tes bras, viens mes cuisses là. Oui. Tu penses que ça ne les effraie pas? Mais qui te dit, moi, c'est ton corps? Oui, c'est ton corps. Moi, je vais essayer ma bouche, tu touches le mur là. Est-ce que tu ne déranges quelqu'un? Jamais. Oui. Tes bras dépassent mon cuisse. C'est que mon petit cuisse que j'ai là, c'est ton bras qui est là. L'autre pèse 23 kilos, l'autre pèse 23 kilos. Et puis tu prends ça, tu insultes ta femme déjà et ça. Qui t'a demandé que maman, si tu as coupé ton ventre, tu allais te déposer en Turquie? Pourquoi
tes bras là, tu n'arrives pas à opérer. Qui t'a demandé, qui t'a parlé de ça? Oui, oui. Qui t'a parlé de ça? Qui t'a une fois demandé que pourquoi tes bras sont loulous comme ça?